présenter la 35e bûche à l'or. Je vais vous présenter tous les bénévoles, comment ça se déroule. On va se diriger donc vers la table d'inscription où les candidats arrivent le matin. Voilà mes collègues qui sont ici. Là. Ils enregistrent donc au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils prennent leur nom. On leur attribue un numéro de passage pour le concours de l'après-midi avec un tirage au sort. Voilà. Donc ici, là, il y en a déjà trois qui sont sur cette table, qui ont une trentaine d'années déjà à la bûche d'or. Je suis arrivé à la bûche d'or suite au comité des fêtes des cavaliers. On demandait sur le journal des bénévoles. Quand j'ai eu cette annonce, je me suis présenté puis je suis rentré. Avec le président, le papa du président actuel. Tant jeune, je fréquentais beaucoup les fêtes. Ça me passionnait, les fêtes foraines, le manège, tout. Enfin, j'étais jeune, juste 12 ans, 13 ans. Je faisais que ça. Dès qu'il y avait une fête par-ci, par-là, j'y allais. Je vais vous présenter maintenant c'est notre salle où se déroule ce matin donc les essais sons de chaque catégorie. On enregistre donc leur CD ou leur clé USB et ensuite ils font une audition avec le micro le temps que la technique règle les micros. Ici à droite vous avez un petit studio de présentation. Quand il y en a un qui chante, le présentateur fait monter le prochain candidat et on les présente au fur et à mesure de façon que ça les détend un petit peu. Voilà. En 94, nous avons créé des liens avec Monsieur Lamy. Un jour il nous a parlé qu'il y avait un concours de biche d'or. À ce moment-là, ça se faisait au gymnase à Palmer. Moi j'ai dit oui parce que j'adore la chanson française, j'adore les chansons. Et pour moi, ce concours, ça me rappelle Star Academy, en quelque sorte The Voice. Je suis rentrée à la bûche d'or en tant que bénévole par ma mère. Et voilà, donc ça va faire presque 3 ans que je suis à la bûche d'or. On fait tout ensemble. C'est très rare maintenant de trouver cette association où il y a beaucoup d'amitié. C'est comme disait ma mère tout à l'heure, c'est un peu comme un truc de famille. Donc c'est Eric, notre président, qui fait l'enregistrement des bandes son. Alors c'est ou un clé USB ou un CD. En principe, c'est un clé USB, hein, c'est ça? Pour les inscrits et ceux qui vont réellement se présenter, je crois qu'on n'était pas loin de 180 participants cette année. Et on ne veut pas non plus faire de la manifestation quelque chose de trop énorme. Il faut que ça garde son espace et son esprit convivial et familial. Il n'y aurait pas forcément d'intérêt à avoir 500 participants. On perdrait, on va dire, en qualité sur la manifestation. Contrairement à d'autres concours, on va dire, où c'est une sélection sur bande, où on arrête les candidats si le jury estime qu'ils chantent mal, ici, on les laisse s'exprimer jusqu'au bout. Sur une scène, ils en feront peut-être jamais d'autres, mais c'est vrai que voilà, c'est l'intérêt. Quelle que soit la qualité, la valeur du candidat, on le laisse s'exprimer jusqu'au bout. C'est vraiment, c'est le droit d'expression dans sa totalité. Alors ici, là, nous avons un reportage vidéo. Voilà, où tous les candidats peuvent se faire filmer sur la scène et acheter leur DVD. Ici, c'est dans l'endroit où l'on mange. Nous sommes à peu près chaque jour 30 à 35. Ici, c'est la pièce où on comptabilise tous les résultats. Donc c'est notre trésorière, Marie-Hélène, qui s'en occupe, voilà, avec le président, bien sûr, et puis le responsable de la table d'inscription. Elle a plus de 30 ans de bûche d'or, elle aussi. J'ai été coopté par son père. Dix-sept et demi, deux fois. Seize. 13, 14, 3 fois. J'aime l'ambiance, la convivialité de notre groupe, l'amitié, parce qu'au fil des années, on est devenus des amis. Parce qu'on travaille ensemble tout au long de l'année, on ne fait pas que le concours de chant, on fait aussi. En ce moment, je reste plus que du fromage ou des hot dogs.
on n'a plus rien d'autre. Après, il y a des bonbons, des viennoiseries, des cannelés aussi, des bons petits cannelés. Vous voulez quoi ? Des croissants. Un croissant ? Pour l'instant, on est assez nombreux au niveau du comité. Je ne sais plus combien on est. Une vingtaine. Une vingtaine à peu près. S'il n'y a plus que moi et mon mari, ça va être difficile de faire une relève. Hein. Il faut du monde. Hein. Et de la jeunesse aussi. Chante bien. Ouais. Bravo ! Ça devient de plus en plus, comme je vous disais, de plus en plus compliqué à organiser, on a de plus en plus de contraintes. Et chaque année, d'arriver à, voilà, à pouvoir continuer, ça c'est déjà, c'est que du bonheur. Et puis déjà le fait de voir un public satisfait, des chanteurs contents, ben, ça c'est, on va dire, c'est un retour positif. Tu as quel âge ? 15 ans. Et tu viens de ce nom ? Du haut ou du bas ? Du bas ce nom, ah, il a fallu monter la pente quand même. Hein. Tu t'accompagnes à la guitare ? Oui. Tu as choisi un titre de Louane qui s'intitule « Je vole ».« Je vole ». ».« Je vole » par Marine Chevreau. Mes chers parents,